Donc, on avait envisagé de terminer cette matinée par une heure de partage d'expérience. Je vous l'ai annoncé avec Karim tout à l'heure. On va donc parler de ces deux œuvres, Zaï 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 et puis Pata Negra, mais aussi de l'expérience plus large des personnes qui sont à côté de moi et que je vais vous présenter tout de suite pour revenir sur une mise en exemple concrète, en fait, de tout ce que Kim Beki vient de vous décrire minutieusement. Donc, j'ai à ma droite Marie-Pacifique Zellner, qui est responsable des droits aux éditions Au Diable Vauvert. Donc, Marie-Pacifique, une maison d'édition que tu accompagnes très tôt. Hein, on va revenir juste pour ceux qui ne la connaîtraient pas sur le fait que donc, la maison a été fondée dans le Gard, à Vauvert, comme son nom l'indique, dans les années 2000. Une maison d'édition qui est un catalogue de plus de 500 titres aujourd'hui, très large, à la fois peut-être l'ADN, c'est la pop culture, donc beaucoup de science-fiction, de littérature française et étrangère. Donc on va citer parmi les auteurs et les autrices Nicolas Rey et Thomas Gunzig, Jean-Paul Didier-Laurent et Fabrice Capizzano, Heyerdahl, Joël Vintrebert qui est avec nous et que je salue, et Pierre Bordage. Du côté du slam et de la poésie, Oxmo Puccino, Félix Jousserand. Donc ça, c'est un joyeux côtoiement de littérature, de poésie, de slam, comme je le disais, mais aussi des essais. On parlera notamment de Juan Branco, par exemple, un titre qui a fait beaucoup parler de lui. Des documentaires, avec plus récemment une attention particulière à la crise des Gilets jaunes et à leur donner la parole. Et puis, sans oublier non plus le rapport au territoire, puisque nous sommes en Occitanie, avec dans la maison un certain nombre de titres sur tout ce qui est trait à la tauromachie, à l'équitation, y compris pour des auteurs qui sont loin. Hein, je pense à des auteurs nord-américains qui voilà. Et également la récente collection féministe Nouvelle Lune. Un certain nombre d'ouvrages ont été portés à l'écran. Je voulais citer par exemple Vincent Ravalex, Sainte-Croix des Vaches. Oui, alors pour celui-ci, ce n'est pas nous qui avons les droits audiovisuels, mais en effet, on a signé une trentaine d'options depuis le début de la prospection des droits audiovisuels. Ça a donné lieu à une dizaine de films adaptés de Livre du Diable. Et par ailleurs, même toute la partie anglo-saxonne du catalogue, pour dire comment ça se glisse dans toute la ligne éditoriale. Les auteurs américains qu'on publie sont souvent également adaptés en série ou en film, comme Neil Gaiman ou William Gibson, ou tous ces auteurs anglo-saxons très Voilà, connus. Des grands noms qu'il nous fallait évoquer. Donc tu t'occupes à la fois de la vente des droits étrangers, c'est-à-dire la cession à des maisons d'édition hors France, et aussi des ventes de droits audiovisuels. Hein, tu C'est cumules ça. les deux. Oui. C'est ça, c'est ça. Les deux fonctions. Alors, on va re-rentrer un petit peu plus dans le détail, mais d'abord, je vous dis un mot donc de Michael Clément, qui est responsable des éditions Six Pieds Sous Terre, fondée 5 ans avant, donc en 1995. On peut dire que tu défends un courant d'autrices et d'auteurs novatrices et novateurs, français et étrangers. On va citer quelques Belges, Émilie Plateau, David van der Meulen, mais également Ganaël Maury, Gilles Rochier, Ambre, Edmond Baudouin, Fabrice Herr, Guillaume Bouzard, Lilian Coquillot, Matt Conture, Anis El Amouri, sélectionnée à Angoulême cette année, et bien sûr le magnifique Fab Caro, qui a remporté non seulement de très nombreux prix pour la bande dessinée, mais aussi un vaste succès, puisqu'il a été porté à l'écran par François Desagna, un film que vous avez peut-être vu avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Cadmérade, Benjamin Biolay, Fab Caro lui-même, qui je crois s'est bien amusé. Michael Clément, qui s'est bien amusé aussi sur cette expérience. Absolument, toujours, toujours. Yolande Moreau aussi, qui a été magnifique. Alors, on va peut-être commencer par le début de cette histoire de vente de droits. Sur quel salon êtes-vous présents tous les deux? Et comment ça se passe pour vendre des droits? Est-ce que finalement, tu as une méthode, un peu comme Kim le décrivait, une manière d'aborder le salon, le calendrier peut-être des semaines qui précèdent, etc. Oui, bah alors tout ce que disait Kim est très similaire à ma façon de travailler. On est adhérent à la SELF, qui propose un certain nombre d'opérations
où on peut proposer des titres. Et s'ils sont sélectionnés, on est sélectionné pour aller prospecter ces titres sur ces événements comme Shoot the Book à Cannes, Shoot the Book Los Angeles, etc. Et par ailleurs, on participe au marché, aux rencontres de la SELF qui avait historiquement lieu au Salon du Livre de Paris et qui aujourd'hui a lieu de façon complètement déconnectée du Salon du Livre, qui a lieu le 8 juin chaque année à la BNF et qui est une vraie rencontre extrêmement riche. Enfin, c'est des, on a une soixantaine de rendez-vous B2B sur, enfin, une soixantaine, j'exagère, mais une quarantaine de rendez-vous B2B en une journée, c'est pas mal. Ce qui implique que le Diable Vauvert soit adhérent à la SELF ? Tout à fait, ouais. Oui. Et de toute façon, il faut être adhérent à la SELF pour d'autres raisons, pour la perception des recettes, pour tout ce qui est la gestion collective des rémunérations. C'est pas une obligation, mais c'est une facilité. Mickaël, toi aussi, la SELF, Shoot the Book ? On y vient. C'est venu pas mal à nous. Moi, je suis plutôt le mauvais élève, comme toujours. J'ai pas fait vraiment les démarches. Les démarches sont pas mal venues à nous. J'ai une super recette. Le succès. Non, mais c'était... voilà, sur le reste, on rame comme tout le monde. Mais sur Fab Caro, bah, on a été sursollicité et... du coup, ça s'est fait tout seul. J'ai pas fait le foufou. Hein. J'ai pris un agent parce que les contrats de 45 pages, ouais, ça me tente pas plus que ça. Donc j'ai pris quelqu'un de compétent. Et voilà. Donc pour le projet principal qui a marqué l'histoire de Six Pieds Sous Terre, à savoir le long métrage Zaï, j'ai fait comme ça. Et il se trouve que bah, du coup, j'ai été mis dans le bain de ces rencontres du milieu de l'audiovisuel et de la bande dessinée, et que ça se développe de plus en plus, et que c'est vraiment venu à moi. J'allais à Francfort, par exemple, pour les droits étrangers, et les droits, il y a eu une sous-partie droits audiovisuels qui s'y est adossée, et le Shoot the Book est venu à Angoulême, où j'allais aussi, de toute façon, en tant que maison d'édition. Et je fais pas de salon spécialisé et j'ai personne avec une fiche de poste définie sur les comme les... Marie Pacifique. Voilà. Alors justement, tu nous dis Shoot the Book, donc tu as cité les principaux, hein, donc Cannes, Los Angeles, Mickaël vient d'évoquer le Shoot the Book à Angoulême, je crois savoir qu'il y en a aussi à Clermont-Ferrand, donc c'est vrai que cette initiative de la SELF de mettre en lien des gens effectivement du milieu de l'audiovisuel et du cinéma avec la littérature, la bande dessinée, etc., se développe de plus en plus. Est-ce que toi, donc, de ton côté, c'est une manière... tu te reposes complètement sur la SELF et sur son organisation. Tu organises toi-même des rendez-vous en amont. Comment ça se passe? Tu recontactes des gens? Oui, en fait, ça, c'est le point de départ de la prospection. Quand je suis arrivée au Diable en 2009, je partais de rien, d'aucun fichier. Donc ces rendez-vous ont été... la base d'une collecte d'un certain nombre de contacts. Et après, ces contacts, je les entretiens. Quand j'ai des titres adaptables, je fais une newsletter ou je fais un mailing de prospection avec les points clés, les points forts. Et j'entretiens et j'alimente ces contacts avec le catalogue. Et je les mets à jour chaque année en continuant à aller à ces rendez-vous, voilà, à ces rencontres de la SELF ou pas. Je peux aussi aller à Paris juste pour les rencontrer. Oui. Finalement, faire un rendez-vous directement parce qu'en fait, très ciblé. Oui, parce qu'en fait, à part les rencontres de la SELF, les Shoot the Book, c'est quand même très sélectif. Il faut remplir un certain nombre de critères qui, par exemple, pour Cannes, sont que le livre doit être traduit dans minimum 5 langues. Enfin, c'est des opportunités qui n'arrivent pas souvent sur un titre. Donc forcément, on est obligé de trouver d'autres chemins de traverse pour rencontrer les producteurs et entretenir un carnet d'adresses. Voilà. Oui, cette partie sélective, c'est important de la souligner parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Hein, ça, on est d'accord. Ça, je pense que c'est une des choses qui se retiendra de la journée, hein, mais effectivement, en préparant, en ayant une méthode, en ayant éventuellement une personne dédiée, les choses progressent. J'avais envie aussi de te demander, Mickaël, par rapport à la bande dessinée, pourquoi finalement cette facilité
à passer du média cinématographique au média bande dessinée, selon toi? Pourquoi finalement un show the book à Angoulême, c'est normal, et qu'on frappe à la porte de Fab Caro et à la tienne, vu le succès de Zai Zai, pourquoi ça a été aussi simple, entre guillemets? C'est tout simplement parce que la bande dessinée a déjà fait une grosse partie du travail nécessaire à la construction du film. En plus, par rapport au roman, j'entends qu'il y a plus de dialogue, donc l'exercice qui est compliqué de dialoguiste est quand même déjà bien avancé. Parfois les plans, le cadrage, la photographie, il y a déjà beaucoup d'indices, en tout cas, pour se projeter dans quelque chose de visuel. Scientifique que le diable avait apporté à son crédit une dizaine de longs métrages. Prends-en un et raconte-nous l'aventure si tu veux bien. Le plus facile, le plus difficile. On avait évoqué entre nous le liseur du 6h27, mais allons-y. En vrai, il n'y a pas de film encore. Hein. Oui, okay. Justement. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc c'est un livre qui, avant parution, a eu un succès fulgurant à l'étranger en termes de traduction. Donc en 15 jours, j'ai fait une quarantaine de sessions de droits étrangers, donc c'était vraiment un très très gros succès. Donc le liseur de 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. Hein. Voilà. C'était son premier roman publié au Diable, mais il avait déjà gagné le prix Hemingway auparavant. Et donc, tout de suite, on a eu un intérêt de producteur, mais on a patienté un petit peu, on a attendu la sortie du livre, on a attendu que le roman soit bien implanté, de pouvoir avoir du recul sur cette session. Et on a choisi la sécurité en choisissant un producteur qui est mandarin et qui est une sorte de Gallimard de la production de longs métrages, de films unitaires, etc. Et en vrai, le succès a un peu faussé la donne, c'est-à-dire qu'on a choisi un producteur prestigieux qui, lui, peut-être, à cause du succès, voulait les droits, mais il ne savait pas encore quoi en faire. Donc en fait, ça a gelé les droits quasiment pendant le temps de la première, voire d'une deuxième option. Ça veut dire combien de temps, combien de mois à peu près? Je pense, au total, on a dû geler les droits 18 mois. Pendant ce temps, je recevais énormément de demandes. Je ne pouvais pas les céder. Et en même temps, il n'arrivait pas à avancer parce qu'il ne trouvait pas de réalisateur pour porter le projet. Donc eux, ils ont rendu les droits après. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la fausse bonne idée, entre guillemets. Ouais, mais vous ne pourriez pas le savoir, c'est plus facile à dire après coup. Non, mais après, ce que dit Kim, c'est intéressant, c'est qu'on accepte évidemment une proposition financière, mais aussi une proposition artistique. Et que cette proposition artistique, elle doit être extrêmement... détaillé, c'est-à-dire que plus il y a d'informations sur la vision du projet, plus on a l'assurance que les choses ont déjà bien avancé. Vous prendre les droits et tu commences à te dire mais c'est combien? T'en sais rien, c'est combien? J'en sais rien. Puis c'est même pas spécialement pour gagner du pognon. Nous, gagner du pognon avec le livre, ça nous suffisait déjà. C'était bien, c'est pas tous les jours. Et donc tu commences à te poser des questions, puis tu as de plus en plus de prods qui arrivent, du coup tu te dis en plus que, si ça se trouve, ça pourrait être beaucoup, on ne sait pas. Et après tu passes la démarche de trouver un agent, et là ça change tout. Parce que lui, il connaît les prix, il connaît les prods. Il connaît les délais, il s'est fixé des durées, des options, avec plusieurs étapes. Après, ça a été. Ce qui a été génial quand même, c'est que. D'abord, on l'a vendu deux fois, dont à un prod qui avait décidé de sauter l'étape de l'option. Donc, il a payé banco direct, et puis il ne l'a pas fait. Qu'il n'a pas pu, et il n'a pas réussi. Donc ça, c'était un petit bonus, c'était sympa. Et après, nous, on a fait donc ce qui était notre deuxième choix de cœur, et pas de banque, je sais plus à dire. Ouais. Et on l'a revendu, un peu moins cher d'ailleurs, et avec étape par étape, les options, les machins, enfin tout la totale. Mais ce qui est à François Desagnas, enfin à son prod, à 24-25.
Et voilà, et ça s'est super bien passé. Tout ça, je veux juste aussi désacraliser un petit peu les trucs, parce que nous, on a toujours peur d'être les petits qui connaissent rien, qui savent pas ça. Les mecs qui sont arrivés, on a signé le contrat, nous, en présentiel et tout. Ils avaient 5 ou 6 avocats à table, machin. On a lu le contrat. C'était pas les bons noms dans le contrat. C'était le nom de l'ancien gérant de 6 pieds d'avant. C'était pas la bonne adresse. Enfin bref, il a fallu qu'il refasse. Mais c'était un bon repas, du coup, c'était sympa. Ils n'ont cessé de demander à Fabrice de participer, ce qu'il a farouchement refusé. Il était passé à d'autres projets. Donc ça a été clair. Par contre, dans le contrat, il avait effectivement la rémunération en fonction des par palier, en fonction du succès du film, qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Alors revenons peut-être à la méthode. Comment choisir un titre? Comment se dire Marie Pacifique parmi les nombreux titres que le Diable publie dans l'année ou qu'il a publié dans l'année d'avant? Celui-là, je pense qu'il y a un potentiel. Voilà, pourquoi celui-ci et pas un autre? Comment ça se passe concrètement dans ton quotidien? Déjà, il y a les titres dont, à la première lecture, je sais que je le verrai bien à l'image. Donc ça, c'est une première sélection. Ensuite, il y a les attentes des producteurs qui recherchent vraiment quelque chose pour remplir une case dans un programme. Donc c'est pas du tout comme les éditeurs où on a une ligne éditoriale qu'on suit, qu'on construit, etc. Les producteurs, s'ils ont déjà fait une comédie dans l'année, ils vont pas en faire une deuxième. Donc quand ils recherchent une comédie, ils recherchent vraiment une comédie pour... Voilà. Et donc eux, ils ont plein de concepts. Donc dans les rendez-vous, ils veulent une histoire avec un high concept ou un low concept ou quelque chose de local. Donc ils ont un vocabulaire très particulier qui leur appartient. On essaie de d'éplucher le catalogue en fonction de ces critères. Mais je dirais que moi, ce qui jusqu'à présent a fonctionné, c'est mon ressenti à la lecture et le plaisir à pitcher le bouquin. Parce que si c'est plaisant et facile à pitcher, c'est que quand même il y a un concept quelque part dans le livre qui se transmet et qui donne envie de lire, et que si ça donne envie de lire, après l'affaire est gagnée, mais enfin pas gagnée pour un contrat ou une session, mais déjà si on fait bien lire les titres, c'est déjà bien. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que ça réintroduit la question de la sensibilité, du ressenti et de l'artistique, parce que là quand même on parle de beaucoup de choses techniques depuis le début de la matinée et qu'on est quand même dans un secteur où cet aspect des choses compte. Oui, parce qu'en fait, surtout quand on a des titres avec des univers très particuliers, on sait que ça ne va pas rentrer dans les cases des recherches des producteurs, mais par contre on peut penser à un réalisateur en particulier qui a telle couleur dans ses films qui ressemble vraiment à cette histoire, etc. Bon, ça c'est de la prospection de dentelle, parce que en vrai ces gens-là cherchent pas à ce moment-là le titre qu'on a dans le catalogue et qui sort, mais néanmoins ça aide à référencer dans les argumentaires qu'on fait spécifiquement pour les producteurs, on note ces couleurs qu'on a vues en lisant le livre, etc., ces références en fait, et ça positionne bien l'ouvrage pour eux quand, au moment où ils cherchent des titres. Après, il faut quand même qu'il y ait un concept. Ça, c'est devenu le truc qui est incontournable. Et ce qui est agréable dans la prospection du cinéma, c'est qu'on est un peu tous les éditeurs à égalité. On est vraiment juste avec nos histoires et nos pitchs. Et qu'on soit Gallimard ou Le Diable Vauvert, on est vraiment, je pense, au même niveau de chance d'être adapté. Je pense que c'est vraiment la... Ils misent tellement d'argent sur ces développements qu'en fait, il faut vraiment que ce soit l'histoire qui porte le projet, quoi. C'est pas parce que c'est publié chez Gallimard que ça va être un bon film. Donc ça, c'est assez agréable, je trouve, quand on prospecte les producteurs.
Et peut-être un mot sur un des outils. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'argumentaires que tu préparais pour des producteurs, de newsletters, de mailing. Oui, en fait, comme vous faites un argu pour les forces commerciales, les représentants, etc., on fait un argu pour les producteurs qui est un résumé du livre avec où on identifie bien les personnages, où on identifie bien la reine, les ressorts de l'intrigue, etc., où on donne des références, où il y a une phrase d'amorce qui canonise l'histoire, en fait, c'est un résumé détaillé, ou pas forcément détaillé, mais en tout cas, on va au bout de l'histoire, on spoil complètement, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a du style et une intrigue incroyable, il faut être dans les faits, ouais. Bien sûr. Peut-être Marie-Pacifique, on s'oriente vers cet aspect qu'on avait évoqué sur les bonnes pratiques à partager. Tu dis une maison d'édition qui n'a pas encore une personne dédiée peut déjà abonner quelques producteurs à sa newsletter de la maison. Qu'est-ce que tu conseilles finalement aux éditrices et éditeurs qui sont là et qui veulent se lancer dans cette grande aventure vers les images? Si on ne veut pas que ça avoir de nouveaux matériaux de prospection à produire, on peut déjà informer avec les matériaux dont on dispose. Donc, tout ce qui va aux forces commerciales peut en effet être digéré par un producteur, c'est possible. Mais peut-être qu'il faut quand même faire une petite sélection. En tout cas, il ne faut jamais prospecter un titre dont vous n'avez pas les droits audiovisuels, les droits d'adaptation. Ça paraît idiot, mais c'est déjà arrivé. L'inscrire à votre newsletter, ça c'est pas mal. J'ai plus des types de contrats que de prospection. Alors, ça, le contrat, on voulait en parler, en se disant qu'effectivement, les fameuses 45 pages qui ont été évoquées, c'est quelque chose de très technique, de très pratique. Il y a des contrats types, comme il peut y avoir un contrat type d'édition proposé par... la Société des gens de lettres, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a un contrat type avec ou sans 45 pages quelque part que vous pouvez télécharger et consulter? Je crois qu'en tant qu'adhérent à la SELF, vous avez à disposition des contrats types pour, en tout cas, les longs métrages, les unitaires, pour les unitaires télé. Je ne sais pas s'il y en a pour les séries. Ce qui fait que les contrats sont longs, c'est notamment toutes les annexes qui sont des protocoles d'accord entre les producteurs et les éditeurs et qui font office de bons usages. Donc ça, c'est assez long à lire et à comprendre, notamment quand on indexe le minimum garanti sur le budget. Il faut quand même très bien définir le budget et le budget, il est défini par un protocole. Mais quand même, il peut y avoir des petits trous d'interprétation. Et un jour, ça m'est arrivé que le producteur mette dans le budget son salaire. Et en fait, ça vient fausser le budget de mon point de vue, pas du sien. Mais du coup, le seuil à dépasser est moins intéressant pour nous. Les histoires de durée aussi, je trouve que ça, c'est vraiment un point. On n'a pas l'habitude dans les contrats d'édition. On a à peu près que deux durées, le délai de publication et la durée du contrat. Or, il y a plein l'échéancier dans la production audiovisuelle est beaucoup plus complexe. Et en fait, il faut détailler chaque durée. Vraiment, il faut imposer une durée à chacune de ces étapes. C'est la meilleure protection qu'on ait. Contre l'échec du projet, en fait. Ça nous est arrivé une fois de céder les droits. Il n'y a pas eu d'option. On a cédé les droits directement à cause d'un... parce que c'était très enthousiaste, ambitieux, etc. Et en fait, ils ont voulu les droits pour 8 ans. Et le deuxième jour de tournage, ils ont arrêté le film. Et du coup, nous, on était coincés pour 8 ans avec ce producteur. Donc on apprend de ses erreurs, mais il y a plein de... je dirais que la durée, moi, c'est un des points les plus importants. Et aussi, tout miser sur le minimum garanti et l'intéressement, et pas forcément sur chipoter sur les pourcentages des recettes qu'on voit rarement quand même arriver.
Ça passera pas. Tu peux rappeler le nombre d'exemplaires de Zaï 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 au final entre les différents tirages? Combien de lecteurs ont lu cette bande dessinée a priori? On est à un peu plus de 300 000. Je sais plus, 300-350. Et ça, c'est aussi les chiffres, c'est rigolo quand même. Hein. Là, par exemple, il est considéré que le film Zaï 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 s'est planté. Parce qu'il a fait que 110 000, 120 000 spectateurs. Ouais. Et tu dis, s'il y en a 10% qui achètent le bouquin derrière, même s'il y en avait peut-être au moins 50-60% qui avaient déjà lu le bouquin, bon, ça te fait un petit 5 000 lecteurs de plus, c'est plus que mes ventes moyennes. Hein. Donc. Ça reste des bons plans, même si tu ne fais pas forcément une affaire. Juste, souvent, les auteurs, c'est très douloureux. Enfin, je ne sais pas pour Olivier Deck, mais par exemple, Romain Monnery au Diable, son premier roman adapté. Et c'est une vraie violence de se détacher de son roman et de voir que c'est une nouvelle œuvre d'un nouvel auteur. Et c'est très difficile pour les auteurs de se détacher en fait, de leur bébé. Voilà. On le comprend. Ça dépend desquels. Ouais. Ça dépend desquels. Il y en a qui ne veulent plus en entendre parler d'une œuvre déjà passée. C'est autre chose. Quoi. Ah ouais, complètement. Fab, pour le coup, revenir sur un truc. Et puis, en fait, il est tellement en permanence en train de créer autre chose que ça le polluerait plus qu'autre chose dans son esprit. Alors que ce n'est pas du tout pareil avec Gilles sur TMLP. Donc Gilles Rochier. Ouais, Gilles Rochier, pardon. Sur le TMLP et les courts-métrages. Mais encore une fois, la démarche, elle est là aussi, elle est différente, parce que ce qui est assez génial, c'est que ces jeunes, ils inventent une histoire à côté de son histoire. Donc c'est encore le lâcher prise, il est un peu plus simple là, mais en même temps, pour le coup, il participe, il a beaucoup participé, non pas pour les cadrer sur l'histoire, mais pour le ton aussi, pour que ça reste un peu dans le ton de TMLP, donc le ton de base. Et donc là, il reste partie prenante, très très participative. Mais sur quelque chose qui n'est pas son œuvre et qui n'est pas une adaptation directe de ce que lui a écrit. Donc c'est que des cas de figure un petit peu particuliers. Son œuvre ne peut pas vraiment être trahie puisqu'elle n'est pas à l'écran. Et il participe juste pour les aider à écrire aussi, en fait, parce que c'est des réals avant tout, les jeunes. Donc il les aide à écrire. Donc voilà. Et il y a presque des bouts, ça, ce qui était marrant, c'est qu'il y a eu des bouts ajoutés par les cours où il s'est dit, tiens, ça, j'aurais pu le mettre dans la BD, ça aurait été, c'est très juste, ça marche, mais ça venait pas de lui. Donc, voilà. Le principe de faire rayonner les œuvres, ça, je t'invite à donner ça du coup comme argumentaire pour les prochains auteurs qui n'arrivent pas à lâcher, c'est qu'en fait, tu fais rayonner l'œuvre, t'as des choses en retour qui viendront. Mais on connaît la sensibilité de chacun et c'est pas toujours possible, loin de là.